Salut à tous. Alors, dans cet exercice qui fait suite au travail avec Eiffel et avec démonstration avec oxygène, on a une évolution dans le travail qu'on va exécuter donc avec brio, dont l'objectif sera le suivant, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenir toujours une vitesse, une allure constante. Voilà, respecter la cadence toujours dans toutes les circonstances. On va aller en ligne droite, on va aller sur une ligne brisée, on va prendre un tournant, mais à chaque fois on doit respecter toujours la constance de cette allure. Voilà, pour ce faire, j'ai mis derrière moi voilà un petit cavalletti qu'on voit derrière avec les petits cubes rouges. De l'autre côté, on a un petit obstacle là-bas, hop, ici, voilà. Et on a de l'autre côté une barre derrière moi au sol, on m'a balisé avec deux plots, et de l'autre côté aussi, de nouveau, la même chose, ici, avec une barre au sol et deux petits plots, de manière à matérialiser. On a par ici, voilà, un plot là pour marquer l'angle à obtenir pour les lignes brisées. Cette distance entre chaque obstacle, chaque barre, sera toujours la même pour 6 foulées. Donc l'objectif est de garder le cap de ces 6 foulées dans toutes ces situations. On va pouvoir enchaîner de manière perpétuelle le travail, hein, en variant à chaque fois les situations, mais en conservant à chaque fois les 6 foulées. Voilà, donc ça c'est les consignes. Et bien maintenant on va se retrouver tout de suite à cheval. Bien, me voici à cheval maintenant, avec brio. Voilà, après avoir fait la détente au bas, au trot et commencé son vélo, on commence à enchaîner sur ces deux petites barres, tout simplement, essayer de trouver le rythme qui convient pour ensuite passer à l'exercice. Voilà, deuxième saut. Alors on va chercher quand même hein, sur cette barre, même au sol, à essayer de que le cheval soit bondissant. On matérialise le sap, c'est un saut. Voilà, sur les bons pieds. Et donc s'il faut changer de pied, il faut le faire avant le tournant. Voilà, là on vient sur le premier petit obstacle juste d'introduction, voilà, avant de rentrer dans le cœur de l'exercice. Voilà, maintenant on va arriver sur la première ligne. On pourra compter par la suite ensemble. Tournant à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Nous tournons à gauche. Même dans le. On maintient. 1, 3, 4, 5, 6. Voilà. Même dans le tournant. Voilà. On retrouve ici. On doit maintenir le gap. Là, on a perdu un petit peu de rythme juste à la sortie. Hein, on va faire sortir du doux. Une septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, on va changer le sens et on va en profiter pour faire la longueur un petit peu, développer son allure. Et on va reprendre le galop, retrouver le rythme initial. Qui permet de corriger un petit peu le manque de valeur. Voilà, on pousse. La gauche. Alors même si on part à gauche, on est tout avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ce qui est mieux, c'est de même changer sur la barre. Et là maintenant on a repris deuxième série. Parce qu'il y a déjà dans son galop, c'est d'avoir déjà un cheval qui se tient. Puis ensuite on va essayer de développer un tout petit peu l'allure, se mettre dans le rythme comme si c'était un parcours. Voilà, un rythme suffisant pour pouvoir
respecter ses contrats, le fouet. Retrouver le galop à gauche. J'estimais que bon, mon n'était pas assez devant moi dans le tournant, donc on reprend un peu la longueur, on remet en avant. On n'hésite pas, si le cheval se retient un petit peu, on sent qu'il peut l'allonger un petit peu le galop avant de repartir. Un. Contraire, ça chauffait trop. On revient sur un cercle pour essayer de retrouver une cadence. En calme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Approche un peu, hein. C'est qu'une barre au sol, on a envie d'aller un peu courir dessus. Il faut attention de ne pas rentrer dans le là et de conserver toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. On entend la voix, on va reprendre un petit peu. Et là, on cherche. Retrouver le galop à gauche, si ça tape, on continue tout droit, on ne tourne pas. On ne tourne que si il est ajusté. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On retrouve le galop à gauche, on tourne. Si ça n'a pas été fait, sur la barre. 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, regardez. Comment faire anticiper? Donc on veut faire ça inlassablement, autant de fois qu'il le faudra, d'une manière. Et bien voilà, la séance est terminée, le travail effectué. Bon, j'espère que ça vous aura apporté un petit éclairage sur ce qu'il faut faire. Et si vous voulez d'autres vidéos, bah vous cliquez là ou là, et puis vous abonnez à la page, et comme ça vous aurez dès que possible d'autres vidéos accessibles. Voilà, très prochainement. Allez, je vous dis à plus. Ciao.